J'ai pas bien compris à quoi sert le classement de Nice au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est nombreux à se tromper et à parler de classement alors qu'il faudrait plutôt parler d'inscription. Grâce à sa vieille ville, sa promenade des Anglais, sa colline du château, depuis cet été, Nice a rejoint une liste de sites français, 49 au total, reconnus par une organisation mondiale qui s'appelle l'UNESCO. Que signifient les lettres UNESCO? Si c'était en français, on aurait dit ONU ESC, c'est-à-dire Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. En anglais, ça donne UNESCO, c'est-à-dire United Nations for Education, Science and Culture. Soit, mais quel rapport entre la science, l'éducation et Nice? Eh bien, l'UNESCO pense que pour préserver la paix dans le monde, il faut mieux connaître les peuples qui l'habitent et leur culture. Pourquoi Nice fait partie de l'UNESCO? Dans le cas de la ville de Nice, ce qui a été remarqué, c'est que c'est une ville un peu spéciale qui a été façonnée par l'accueil de gens du monde entier, c'est-à-dire ce qu'on appelle la villégiature, c'est-à-dire des grandes vacances. Longtemps, l'UNESCO a tenté de préserver des sites naturels abîmés par le tourisme de masse. Mais là, c'est le contraire. C'est grâce aux touristes, anglais notamment, que Nice s'est embellie. Nice qui fait encore rêver trois de vos copains, Moukamad, Bianca et Alisa, venus de Russie, d'Italie et de Roumanie. Avant, j'étais dans un pays où il n'y a pas de plage et j'ai rêvé pour aller à la plage. Moi, j'ai détesté le mer, la mer, mais j'adore la montagne. Quand je suis venue à Nice, j'ai vu des arbres verts, des bâtiments beaux. Et cette magnifique plage, et j'ai compris que j'adore cette ville. Est-ce que ça change pour un pays ou une ville de rentrer au patrimoine de l'UNESCO? Ce que ça change, c'est que ça reconnaît, c'est la reconnaissance de votre valeur universelle exceptionnelle. Ceux qui en sont responsables, ils ont le devoir d'assurer leur transmission aux générations futures, c'est-à-dire à vous. Et donc c'est un grand honneur, mais aussi une grande responsabilité. Du coup, Nice est maintenant obligée de protéger certains édifices et les inspecteurs de l'UNESCO contrôleront la ville régulièrement. Par exemple, il n'est plus possible de détruire le Negresco. Le célèbre palace ressemblera toujours à la description que vous en faites. C'est un monument où tout en haut, c'est un peu rose et il y a le drapeau de la France, il y a écrit Negresco en doré. En bas, il y a des petites lignes qui sont dorées et il y a beaucoup de parties qui sont blanches. C'est comme Paris. Paris, elle a la Tour Eiffel et Nice, elle a la Negresco. L'endroit que je préfère, c'est la colline du château, le parc de la colline du château, parce que quand vous y allez, quand vous montez là-haut, vous avez une vue à 360 degrés sur toute la ville. Vous pouvez comprendre du coup comment elle est faite. C'est comme une moitié de château dans une falaise. Comme c'est dans une colline, eh bien, il y a beaucoup de verdure autour, c'est assez joli. Et puis, il y a des grottes, des cascades et de l'eau qui court partout. Et quand j'étais petite, ça me plaisait vraiment beaucoup. Et encore aujourd'hui.